26 avril 1945, Hitler n'a plus que 4 jours à vivre. Pétain a quitté Sigmaringen, il a traversé la Suisse et vient se constituer prisonnier. Il a 89 ans, on l'incarcère au fort de Montrouge avec son épouse. Un des plus grands procès de l'histoire de France s'ouvre le 23 juillet 1945 devant la Haute Cour de justice. Il durera jusqu'au 14 août et comportera 20 audiences. L'ex-chef de l'État français a 3 avocats, le bâtonnier Payen, maître Lemaire et maître Isorni, qui fut l'avocat de Brasillac. Les 24 jurés sont des parlementaires qui n'ont pas voté les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940. Et des personnalités issues de la résistance. Un maréchal de France ne demande de grâce à personne. À votre jugement répondront celui de Dieu et celui de la postérité. Ils suffiront à ma conscience et à ma mémoire. Je m'en remets à la France. Avant de donner sa tête, il devrait se mettre à genoux et demander pardon à la France de ses crimes, peut-on lire dans l'Humanité. Tel est le climat de haine qui entoure ce procès. Jacques Isorni se souvient. Lorsque le public a protesté à un moment donné pour je ne sais plus quel incident, le procureur général s'est levé et a dit « Il y a trop d'Allemands dans cette salle ». C'était très symptomatique. Quand on était partisan du maréchal Pétain pour l'accusation, on était un Allemand. Paul Reynaud, avant-dernier président du Conseil de la Troisième République, est le premier témoin cité. Édouard Daladier, ministre de la guerre du gouvernement de Front Populaire, puis président du Conseil avant Paul Reynaud, un homme constamment au pouvoir de 1936 à 1940. Il doit donc répondre à toutes les questions relatives à l'impréparation militaire, à l'incurie du haut commandement, aux causes de l'étrange défaite. Puis c'est le tour d'Édouard Herriot. Malgré de beaux effets oratoires, le leader radical ne peut se dépêtrer des contradictions que souligne la défense. Par exemple, comment a-t-il pu s'opposer à la demande d'armistice alors qu'il intervenait au même moment pour que sa propre ville, Lyon, soit déclarée ville ouverte? Un homme est entré, il arrivait d'un camp de concentration. C'était le commandant Loustonot-Lacaux. Et il a dit... Je ne dois rien au maréchal, mais cela ne m'empêche pas d'être écœuré par le spectacle de ceux qui, dans cette salle, essaient de refiler à un vieillard presque centenaire l'ardoise de toutes leurs erreurs. Le coup de gueule de Loustonot-Lacaux a le mérite de recentrer le débat, un débat que le général Weygand s'efforce de limiter au plan strictement militaire, ce qui fait bondir Paul Reynaud, qui rappelle comment Weygand et Pétain ont réussi à imposer l'idée d'armistice. Août 1945, arrivée de Pierre Laval. Le procès prend sa véritable dimension. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le communisme demain s'installerait partout en Europe. Pierre Laval affirme qu'il a prononcé cette phrase avec l'accord du maréchal. Muet depuis le 23 juillet, Pétain dit que c'est faux et même qu'il a bondi lorsqu'il l'a entendu à la radio. Enfin émergent tels des fantômes, les ultras de la collaboration, Debrinon et Joseph Darnand. Dans son réquisitoire, le procureur général Mornay développe la thèse du complot et de la trahison. Par vanité du pouvoir pour le pouvoir, par haine de la République, Pétain a trahi la France, qu'il a livrée à Hitler pour pratiquer avec lui la collaboration. À relire aujourd'hui ces pages qui sentent le règlement de compte, on reste perplexe devant un tel acharnement, comme si on voulait à tout prix mettre le vieil arbre au premier plan pour qu'il cache la forêt. Le 15 août 1945, Pétain est condamné à mort par 14 voix contre 13, mais la Haute Cour émet le vœu qu'il ne soit pas exécuté.
maréchal fut conduit au Portalet. De là, il fut conduit à l'Île-Dieu, à la citadelle de la pierre levée, dans la cellule que vous voyez. Il avait 90 ans et demi. Son lit était là, un lit de fer de soldat. De ce côté-ci, il y avait un fauteuil, et là, la fenêtre avec des barreaux qui ont été supprimés. Ces journées étaient celles d'un prisonnier. Toutes les journées de prisonniers se ressemblent. Il voyait une heure par jour sa femme entre deux gendarmes. Ses avocats, il les voyait rarement, parce que nous n'avions pas le droit d'aller le voir souvent. Et sa vie de prisonnier fut ici une vie de désespoir et d'espoir. Ce fut une vie extrêmement malheureuse, et il a connu certains moments où la mort lui paraissait une amélioration de son sort. Dans la pièce à côté, il y avait un cercueil. Et pourquoi ce cercueil? Le maréchal avait eu certaines défaillances physiques. On avait cru qu'il allait mourir. Alors, par précaution, on avait fait venir un cercueil qu'on avait installé ici. Quelle destinée de cet homme né en 1856, qui mourra en 1951, qui aura connu les plus grands honneurs, la gloire la plus incontestée et l'abaissement le plus humiliant, et qui vit les dernières années de sa vie dans une prison à côté de son cercueil. La France libérée peut changer les mots et les vocables. Elle construit, mais elle ne pourra construire utilement que sur les bases que j'ai jetées. Si, comme l'a écrit Jaurès, tout le mouvement de l'histoire résulte de la différence entre ce qu'est l'homme et l'usage que l'on fait de l'homme. Nous devons aujourd'hui exorciser le fantôme du vieux maréchal. Nous devons examiner sans passion le processus qui a conduit tout un peuple à renier ses traditions républicaines pour se jeter dans les bras d'un homme providentiel. C'est une date très importante pour comprendre Philippe Pétain. C'est la fin de la guerre de Crimée. C'est le milieu du 19e siècle. Et lorsque Pétain naît, il est beaucoup plus près de Waterloo 1815 que de Sedan 1940. Il est beaucoup plus près de Tilsit, c'est-à-dire la rencontre de Napoléon et d'Alexandre, empereur de Russie, que de Montoire, la rencontre de Pétain et d'Hitler. Pendant les premières années de sa vie, quand il a 5 ans, quand il a 5-6 ans, il est élevé par un prêtre. Et par un prêtre qui a fait la campagne d'Italie avec Bonaparte. C'est-à-dire par un homme qui est né sous Louis XV et qui a participé à des guerres où les canons envoyaient des obus à 800 mètres.
1915, le voici en Artois, pas très loin de son village natal. Il a le grade de général de division et commande le 33e corps d'armée. Il a 59 ans, il allait prendre sa retraite avec le grade de colonel quand la guerre a éclaté. Dès le début des hostilités, il s'est montré prudent, habile, jouant comme il faut de l'artillerie, ne cédant jamais à la panique et soucieux par-dessus tout d'éviter les fatigues et les pertes inutiles. Le capitaine Charles de Gaulle, alors son subordonné, déclarait à son propos « Du jour où l'on dut choisir entre la ruine et la raison, Pétain s'est trouvé promu. » L'artillerie conquiert, l'infanterie occupe, c'est l'idée force de Pétain, celle qui définit sa doctrine, la défensive. Nommé en 1916 au commandement du front de Verdun, il aménage le camp retranché qu'il fait ravitailler par la voie sacrée. Il faut des effectifs, des canons, des munitions, des engins et des explosifs en plus grand nombre que l'ennemi. La bataille fait rage. Et le 10 avril, Pétain proclame « Les assauts furieux des soldats du Kronprinz ont été partout brisés. Fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs de la 2e armée ont rivalisé d'héroïsme. Honneur à tous. » Foch signe l'armistice. Pétain n'est pas d'accord. « L'intérêt vital était de prolonger la guerre de 15 jours », écrira-t-il plus tard. « Nous devions entrer en Allemagne et signer l'armistice dans une ville allemande. » Pétain entre à Metz à la tête de l'armée française le 19 novembre 1918 et la foule des Lorrains libérés qui déferle en énormes vagues crie sa joie au vainqueur. Puis ce sont les Alsaciens qui ovationnent Pétain le 25 novembre à Strasbourg. En 1918, à Metz, Pétain reçoit le bâton de maréchal des mains de Poincaré, président de la République, en présence de Clémenceau qui avait écrit cet éloge. L'histoire placera le général Pétain au premier rang des hommes de guerre. Son commandement, aussi bienveillant que ferme, a forgé l'instrument de la victoire. Juillet 1919, l'apothéose revit sous la plume de Jean Cocteau, sans brémeuse, le soleil cassé en miettes, dans mille miroirs des périscopes allument les clairons, Pétain passe sur un cheval blanc, les flaques d'hommes bleus reflètent le ciel, le bleu beau temps, le bleu Cézanne. Eh bien, la guerre est finie. Et les maréchaux rentrent chez eux, si j'ose dire, presque tous, sauf Pétain. Sauf Pétain, dans la mesure d'ailleurs, où Clémenceau, qui n'aime pas Foch, songe à le nommer généralissime à la place de Foch, et où, très vite, en 1920, on retrouve Pétain, vice-président du Conseil supérieur de la guerre, en 1922, inspecteur général de l'armée, et où il occupe, à ce moment-là, une position éminente et une position de premier plan. C'est lui qui est le véritable chef des armées françaises et c'est lui que les ministres qui se succèdent, eux, consultent. En réalité, il est par excellence le généralissime d'une France tout entière pacifiste. Il accepte la diminution du temps de service militaire et appuie le projet de fortifier la frontière de l'Est. Et lorsqu'il décore le général Estienne, ce n'est pas tellement le créateur des chars qui l'honore, mais son ancien camarade de Verdun. C'est vers lui que l'on se tourne lorsqu'il y a des problèmes, comme par exemple le problème de la guerre du Rif en 1925, où on l'envoie, et où on l'envoie d'ailleurs en grande partie contre Lyoté, qui lui n'est pas un général jugé républicain. Le voici à Reims avec le ministre de la Guerre, André Maginot, qui donnera son nom aux fortifications préconisées par Pétain. Nous allons entendre sa voix dans la première actualité sonore qu'il tourna en 1929. Je recommande au public français les œuvres des médaillés militaires, parce que je sais
que les sommes qui leur seront confiées seront employées au mieux des intérêts de leurs pupilles. Je vous remercie beaucoup des efforts que vous faites en ce moment. Et ils seront, je l'espère, couronnés de succès. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Le 9 février 1931, Pétain, qui aura bientôt 76 ans, abandonne ses responsabilités militaires au profit du général Végan. On va lui confier désormais des missions diplomatiques. Le voici avec Pierre Laval, président du Conseil, et Paul Claudel, ambassadeur de France, aux cérémonies du 150e anniversaire de la prise de Yorktown, qui marqua la fin de la guerre d'indépendance américaine. La France s'associe au sentiment du peuple américain. Avec lui, elle exalte les grands principes du droit et de la liberté et rend hommage à ceux qui ont combattu et à ceux qui sont tombés ici pour un noble idéal. C'était un homme très froid. C'était un homme très majestueux, c'était un homme laconique, qui ne parlait pas beaucoup, mais et qui avait un caractère extraordinairement humain. Je ne sais pas si l'on vous a jamais raconté la façon dont il a maté les mutineries en 17. Il l'a fait avec le minimum de casse. Ça lui a été particulièrement pénible, car j'ai des amis qui étaient beaucoup plus amis avec lui que je ne l'étais, qui en 37 ou 38 l'ont invité à voir Les Révoltés du Bounty, un film qu'on jouait à ce moment-là. Et au bout de quelques instants de projection du film, il est sorti du cinéma des Champs-Élysées où il était assis. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit qu'on ne me montre jamais une mutinerie, ça me rappelle de trop mauvais souvenirs. Est-ce que c'est un homme, ce maréchal de France, est-ce que c'est un homme uniquement tourné vers le passé ? On l'a beaucoup dit, et surtout après la libération, mais je crois que la réponse est plus difficile. On ne peut pas répondre par oui ou par non, c'est plus compliqué. Mais ce qui me navre, voyez-vous, ce qui m'agace, au sujet d'un certain nombre d'écrits pseudo-historiques sur Pétain, c'est que Pétain est de nouveau présenté selon la légende qu'il a lui-même établie, à savoir qu'en 1940, c'est un homme étranger à la politique, c'est un vieil homme qui avait bien gardé, enfin qui avait bien eu le droit de se reposer, et qui, dans le désastre français, a décidé de donner sa personne à la France et avec une abdication sacrificielle de sauver ce qui pouvait être sauvé. Or, c'est pas vrai. On nous raconte aujourd'hui quelque chose dans une intention précise et je voudrais au contraire montrer à quel point Pétain est un homme qui, à partir de 1934, s'est occupé de la politique et qu'il a fait de la politique intérieure. C'est à partir de 1931 que la crise économique mondiale atteint la France. Après l'agriculture et l'industrie, le commerce est brutalement frappé. Toute une population appartenant aux classes moyennes voit ses revenus baisser globalement de 43% en 4 ans. En effet, l'effondrement de Wall Street, aggravant l'inflation qui a suivi la guerre, a ébranlé la stabilité du franc qui garantissait l'épargne. La crise jette à la rue une foule d'ouvriers qualifiés, d'artisans et de petits patrons. Leur détresse rejoint celle du prolétariat ouvrier et celle des chômeurs, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Dans ce climat social et politique morose, éclate le scandale Stavisky. Le 8 janvier 1934, la police suicide l'escroc pour l'empêcher de révéler les noms des personnalités politiques qui le protègent. Immédiatement, une vague d'antiparlementarisme, teintée de xénophobie et d'antisémitisme, se déchaîne. Les anciens combattants et les ligues d'extrême droite se mobilisent pour travailler au redressement du pays, compromis par l'impéritie
et les magouilles sordides des politicas. Les croix de feu du colonel Delaroque, les jeunesses patriotes, l'action française, etc. se dressent en fait contre la République radicale et son impuissance à juguler la crise. Début février, la fièvre s'empare de la rue, révolte de Paris contre les voleurs, la patrie est en danger, déchéance du Parlement, voici l'heure de la révolution nationale. Et ce serait un peu sot, comme on le dit trop souvent, de ne voir dans le 6 février qu'une manifestation des ligues ou de la bourgeoisie réactionnaire des beaux quartiers. En fait, tout Paris était dans la rue, n'est-ce pas, de la gauche à la droite. Tout ce qui était un petit peu vivant avait vraiment assez d'un régime qui, pour nous, incarnait la corruption, tous les défauts du parlementarisme et toutes les tares du capitalisme. Et l'histoire l'enregistre que le soir du 6 février, les anciens combattants de la RAC descendaient par la rue Royale, tandis que les anciens combattants des associations de droite venaient par l'avenue des Champs-Élysées. Moi, j'étais le soir du 6 février sur la place de la Concorde avec des milliers de jeunes gens qui n'étaient inscrits dans aucun parti, mais vraiment, nous exprimions un sentiment de dégoût absolument unanime. Des centaines de blessés. Le gouvernement de M. Daladier déclare l'écho de Paris a provoqué hier la guerre civile. Il est l'assassin pour l'action française, le fusilleur pour Gringoire. Quant à l'humanité, elle titre « Régime de boue et de sang, la bourgeoisie ne peut plus gouverner par les méthodes ordinaires, il lui faut le sabre et la mitrailleuse ». Malgré la confiance de la Chambre, le ministère radical démissionne. Pierre Laval suggère la formation d'un cabinet d'union nationale, dirigé par Gaston Doumergue, un ancien président de la République. Et voici le cabinet Doumergue, constitué avec en prime un nouveau venu dans la politique, prestigieux, éblouissant. Quand Pétain entre au cabinet Doumergue, tout le monde ignore quel sera son destin en 1940 et encore plus en 1945, qu'un jour il sera le chef de l'État français et que 5 ans plus tard, il sera condamné à mort pour collaboration ou intelligence avec l'ennemi. En 1934, Pétain est un homme qui est adulé, n'est-ce pas, par la France entière. Pierre Cotte, qui est typiquement un homme de gauche, radical-socialiste, mais radical-socialiste très très bon teint, puisqu'on sait qu'ensuite il sera très proche du Parti communiste, Pierre Cotte, à ce moment-là, ne se contentait pas de voir Pétain entrer comme ministre de la guerre dans un cabinet Doumergue, mais écrivait un article dans lequel il souhaitait que, comme sous la République romaine, on confie à Pétain une sorte de consulat à vie. En 1934, la France admire, aime Pétain. Elle fait plus qu'admirer, elle l'aime. Ne me faites pas faire de politique, je l'ai en horreur, avait dit Pétain à Doumergue. Mais quant à moi, j'ai, sur le champ, pris une position contre le 6 février, parce que j'estimais que c'était une révolte sans but, sans chef, sans esprit social. Et effectivement, après quelques jours, l'événement dominant n'a pas été le 6 février, il a été le 12, c'est-à-dire la réaction au 6 février et la préfiguration du Front populaire.
et faites la province soulever tout entière, Paris rassemblée dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Mais de plus en plus, la droite s'inquiète des progrès de la gauche. Et quand on va se préparer, en particulier le Front populaire, une espèce d'épouvante gagne les gens de droite et qui sont maintenant confortés dans leurs espérances par un nouvel exemple avantageux à l'extérieur. Vous aviez déjà en 22 Mussolini, vous avez en 33 Hitler. Alors on s'aperçoit qu'il y a en ce moment-là, en France, un mouvement pré-fasciste. J'entends bien le mot fascisme dans son acception précise, puisque M. Brasillach, dans son livre de 1941, dira que le 6 février a été l'aube du fascisme français. D'ailleurs, les organisations d'extrême droite se donnent une allure paramilitaire assez comparable à celle des partis fascistes européens. Mais leurs objectifs politiques restent flous. Ils ne seront vraiment formulés que 6 ans plus tard, avec la Révolution nationale de Vichy. Culte du chef, rétablissement des vertus archaïques de la francité catholique, ordre social immuable. Deutsches Volk. Glaube an die Millionen schaffende Menschen in diesem Volk. Glaube auch an die Vernunft unseres Volkes. Glaube an meinen eigenen Willen. Und es müsste mit dem Teufel hergehen, wenn wir dann nicht unser Deutschland wieder kräftig und unser Volk nicht mehr glücklich machen können. On avait bien l'impression que c'était un type un peu extraordinaire et inquiétant, mais on pensait aussi que peut-être il se modérerait à l'épreuve du pouvoir, qu'il rencontrait des résistances. On voyait bien déjà certains excès, notamment dans l'ordre de l'antisémitisme, mais après tout, la France avait été alliée à la Russie tsariste où on pratiquait beaucoup le pogrom, et elle était encore alliée à des pays comme la Pologne et la Roumanie où il y avait des législations discriminatoires contre les Juifs. Alors ça ne frappait pas tellement et ça ne frappait pas assez. On continue de voir des juifs arrêtés, promenés à travers la ville dans des costumes que l'on veut burlesques, amenés à la préfecture, et puis ensuite emmenés dans des camions, emmenés où cela, dans des camps dits de représailles. Ce n'est pas dans un but chauvin, ce n'est pas dans un but nationaliste que nous manifestons. Que nous luttons contre Hitler, nous faisons la différence entre les deux cultures. Nous sommes contre l'Allemagne de Hitler, nous sommes pour l'Allemagne d'Albert Einstein. Mais ces deux France hostiles ont quelque chose en commun, le désir profond, viscéral, irréversible de vivre en paix. En 1934, les survivants de 14-18 sont encore des hommes jeunes qui n'aspirent qu'au bien vivre, d'où les innombrables manifestations de l'Union nationale des combattants aux Champs-Élysées, ou bien celles de l'ARAC, association des anciens combattants de gauche, dans les quartiers populaires de la capitale. L'Allemagne a par excellence, dans le tréfonds de sa race, non seulement cette vertu guerrière qui fait sa valeur sur les champs de bataille, mais encore le goût et le culte de la force, ainsi qu'une constante propension à brandir ses armes pour appuyer sa politique. Puisse la pensée de ses morts, qui dorment ici aux côtés de tant des nôtres, lui rappeler que la guerre n'est pas un bien en soi, et que l'humanité, après tant d'épreuves subies de 14 et 18, n'aspire qu'à panser ses plaies, à travailler pour retrouver quelque bien-être, à créer en son sein de durables et paisibles harmonies. Savez-vous qu'il a fait très peu de choses? Il est intervenu très rarement dans le ministère d'Oumergue, hein, qui ne durera que jusqu'au mois d'octobre, le 14, je crois, ou 13-14 octobre 1934. Mais l'intervention capitale qu'il a faite, et sur laquelle il faut regarder, s'intéresser, enfin, c'est que lorsque Barthou, ministre des Affaires étrangères, est mort dans l'attentat que vous savez en 34, 9 octobre 34, je crois, lorsqu'Alexandre Ier de Yougoslavie a été tué et que lui, Barthou, s'est trouvé mort par hasard,
Qui a demandé Pétain? Pétain l'a demandé, précisément. Il a demandé que la succession de Bartou soit assurée par Laval. Tant qu'il y aura dans le monde des millions d'hommes en chômage ou dans la misère, la paix restera incertaine et nos vieilles civilisations exposées à tous les périls. Cette volonté pacifiste, à droite comme à gauche, conduit la diplomatie française à tisser un réseau d'alliances et va même jusqu'à rechercher des alliances jugées par certains contre nature. Dans la foulée de Bartou, Pierre Laval va conclure à Rome un traité avec Mussolini. Cette politique pourrait satisfaire les deux Frances puisqu'elle répond au désir pacifique de la gauche tout en rassurant la droite, sympathisante ou admirative du fascisme italien. J'ai moi-même eu l'occasion de rencontrer Mussolini en 1934, au début de 1934, et à ce moment-là, c'était un homme qui recevait beaucoup, ses visiteurs partaient en général enchantés, et dans toute la conversation, il s'est représenté comme un homme de compromis. Il m'a dit « je ne serais arrivé à rien si je n'avais pas été un homme de compromis. J'ai fait un compromis avec la monarchie, le roi est resté, j'ai fait un compromis avec l'Église, j'ai fait un traité avec le Vatican, etc. » Il a continué à me développer cette présentation de lui-même et de sa politique. En 1935, je l'ai revu et c'était un homme déjà changé, parce qu'il y avait eu l'affaire des sanctions, l'affaire de l'Abyssinie, qui avait entraîné des remous internationaux considérables. Donc il avait commencé à évoluer d'une façon défavorable. Mais on pensait encore, à cette époque-là, en France, qu'il était possible de le retrouver, d'avoir avec lui des liens améliorés qui l'empêcheraient de prendre complètement le parti de l'Allemagne. Monsieur le Président, l'espérance de votre grand poète est devenue une éclatante et splendide réalité. J'élève mon verre à la prospérité de la France et à la celui du Président de la République. Très bien. Que ceux qui ont le souci de défendre la paix des foyers, que ceux qui veulent encore voir rayonner dans le monde notre vieille civilisation chrétienne, que tout cela se serre les coudes et ce ne sont pas les fils de la vieille Rome antique qui me démentiront. Cependant, la montée du nazisme devient une réalité préoccupante, comme le montre le résultat du référendum sarrois, qui donne plus de 90% des voix à Hitler, lequel va rétablir en Allemagne le service militaire obligatoire au mépris du traité de Versailles. Malheureusement, tandis que Laval signe avec Staline un pacte d'assistance mutuelle, la Grande-Bretagne signe avec l'Allemagne un accord permettant à Hitler de reconstituer sa flotte et le traité franco-soviétique sera mis en sommeil parce qu'il sert les intérêts électoraux du Rassemblement populaire. Je pars profondément touché de l'accueil qui m'a été fait par le gouvernement soviétique et par la population de Moscou. Je n'oublierai jamais cet accueil, l'amitié est scellée entre nos deux pays. Laval retrouve Pétain à Cracovie pour les obsèques du chef de l'État polonais, le maréchal Piłsudski. Ils y rencontrent Göring, avec qui ils avaient sympathisé 5 mois plus tôt à Belgrade, aux obsèques d'Alexandre. Il faut savoir que pendant qu'il est ministre de la guerre, Pétain s'occupe d'autre chose que de la guerre. J'y reviendrai tout à l'heure du reste. Il s'occupe extraordinairement de ce qui ne le regarde pas, à savoir l'éducation nationale. Et deux fois, il fera passer des papiers, il remettra des notes au ministre de l'Éducation nationale pour dire qu'il faut surveiller de très près les instituteurs et les professeurs qui sont des destructeurs de l'esprit national.
commande. Elle a pour but de doter notre pays de grands travaux d'utilité générale. Elle a pour but enfin de donner à ceux qui chôment depuis trop longtemps un travail dont ils ont besoin et pour vivre et pour remonter leur morale. La possibilité de prendre des vues globales sur l'activité économique était ignorée, disons, des milieux dirigeants français, n'est-ce pas? Je ne dis pas que la pensée économique de Keynes ne l'avait pas vue, naturellement, depuis longtemps. Mais en France, c'était tout à fait ignoré. Alors, dans cette ignorance, que faisait-il? Il se raccrochait à de vieilles idées. Ils étaient très fidèles à l'État noir, qui avait été le grand succès de la politique postérieure à Poincaré. Alors c'était le cycle déflationniste, on courait constamment après l'équilibre budgétaire, il fallait devenir de plus en plus rigoureux, et naturellement le chômage augmentait. Lorsque j'ai commencé à prendre des responsabilités dans la plus grande société française de l'époque, Renault, j'ai pu constater au contact de tous nos fournisseurs et aussi de nos acheteurs, combien les problèmes industriels français étaient ignorés et combien ils étaient peu étudiés. Avec un certain nombre d'hommes venant d'horizons très différents, nous constations que la France était en train de piétiner et ne se décidait pas à prendre les mesures lui permettant d'entrer enfin dans l'ère industrielle. Le ministère d'Oumergue dérape. Un projet de république autoritaire vient à l'ordre du jour. Mais Herriot s'y oppose et demande aux ministres radicaux de quitter le gouvernement. En quittant son bureau de la rue Saint-Dominique, le maréchal dit à son aide de camp « La parole sans l'action, ce n'est que du bruit. Je m'en vais, heureux de sortir de la pétaudière. » Un nouveau ministère a failli se constituer en 1935, avait nommé Buisson, un ministère qui était complet, qui s'est présenté et qui était renversé le jour de sa présentation, dans lequel était entré Pétain. Il avait accepté d'y entrer à condition que, ministre de la guerre, il puisse aussi s'occuper de l'éducation nationale, comme s'il était obsédé par ce problème des instituteurs et des professeurs qui détruisent l'âme nationale. Pour être efficace, notre système militaire demande à être vivifié par une politique d'éducation nationale. Le point capital de cette politique, c'est l'action sur la jeunesse par le resserrement des liens entre l'école et l'armée. Le passage au pouvoir du maréchal Pétain donne des idées à ceux qui dénoncent le chaos parlementaire et la précarité des ministères. Ainsi, le petit journal, quotidien vendu à plus de 300 000 exemplaires, réalise-t-il un sondage auprès de ses lecteurs? Prenant la nécessité de créer une république autoritaire à base corporative, Gustave Hervé lance, pour le premier anniversaire du 6 février, une campagne de presse intitulée « C'est Pétain qu'il nous faut ». Laval, l'homme du grand capital, est une nouvelle fois président du Conseil avant de disparaître du pouvoir pendant 5 ans. Il va faire une politique de déflation à outrance en gouvernant par décret-loi. Il diminuera les salaires de 10%, ce qui aggravera le mécontentement social, tout en coupant les ailes à la reprise économique. Le 18 janvier 1935, le général Gamelin avait remplacé Weygand comme vice-président du Conseil supérieur de la guerre. Le voici aux Invalides avec son adjoint le général Georges, tous les deux décorés par Pétain. Dreyfusard, républicain, Gamelin a la confiance des radicaux et en particulier de Daladier. Pétain porte sur le nouveau généralissime un jugement plutôt sévère. Il était considéré comme le détenteur de la pensée militaire de Joffre. Le malheur, c'est que Joffre n'en avait aucune. «
14 juillet 1935, plus de 500 000 personnes défilent de la Bastille à la Nation derrière Blum, Thorez et Daladier. Les manifestants font le serment de rester unis pour défendre la démocratie et les libertés. Cette étape, sur la route qui mène à l'unification syndicale et au Front populaire, n'a été rendue possible que par un changement radical de la politique du Comintern. En effet, Staline avait pressenti le danger de guerre inhérent à l'hitlérisme. Il a donc préconisé au Parti communiste l'abandon de la ligne sectaire et la constitution de fronts antifascistes allant des ouvriers aux classes moyennes. Au rassemblement populaire réclamé à gauche par les travailleurs s'oppose l'autre France, cette union des honnêtes gens, dont Bernanos dit justement qu'elle n'est en réalité que le masque habituel, l'habituel truchement de l'union des gens d'affaires. Mais Laval, ayant totalement échoué, doit démissionner le 24 janvier 1936. Pour assurer la transition jusqu'aux élections, Lebrun nomme un cabinet dit de concentration républicaine, dirigé par le radical Albert Sarraut. Sur le pont Hohenzollern, à Cologne, étaient passés 18 ans plus tôt des milliers de soldats allemands en retraite, découragés, abandonnant leurs armes. Et là, ce 7 mars 1936, la Wehrmacht d'Adolf Hitler franchit le Rhin dans l'autre sens, car le nouveau maître de l'Allemagne a décidé de dénoncer le traité de Locarno et d'occuper militairement la Rhénanie. C'est un coup de bluff entier. Et il l'a d'ailleurs avoué lui-même, puisqu'il a raconté les angoisses dans lesquelles il avait vécu pendant toute cette journée, vu qu'il ne savait absolument pas comment la journée se terminerait. Les forces allemandes, à ce moment-là, n'étaient pas assez fortes pour faire une opération de ce genre. Hitler est revenu au pouvoir entre en janvier 1933. On était en 36, ce n'est pas en 3 ans qu'on fait une armée capable de tenir en toutes circonstances devant une armée britannique ou une armée française. Albert Sarraut a prononcé une phrase merveilleuse, à savoir « je ne laisserai pas Strasbourg sous le feu des canons allemands » et comme il n'avait absolument aucun moyen d'empêcher que Strasbourg ne demeure sous le feu des canons allemands, ça a été une belle phrase qui n'a pas été suivie d'effet. Et à ce moment-là, nous étions couverts par un traité dont l'Angleterre et l'Italie étaient signataires. Nous avions encore de larges concours internationaux. La Belgique était prête à nous aider. La Pologne aussi. La petite entente qui groupait les États balkaniques était encore amicale et cohérente. Toutes les conditions étaient réunies pour une politique ferme. On ne l'a pas fait et à partir de ce moment-là, la France a été considérée à l'étranger comme une puissance faible qui, ayant cédé pour sa propre défense, était capable de céder aussi pour la défense des autres. Sur cette grave question, Pétain ne réagit pas. Est-ce à dire qu'il partage l'avis de l'Action française qui titrait le 15 mars que l'on ne compte pas sur nous pour une croisade juive? Il faut savoir aussi que les Borassiens n'ont pas hésité à se jeter sur la personne de Léon Blum, puisque c'est le 13 février 1936 que Blum, qui sortait de la chambre, qui était en voiture, enfin, s'est trouvé en contact, s'est trouvé sa voiture, a rencontré le convoi funèbre de Bainville. Bainville était entouré de l'estime que vous savez de l'extrême droite, les gens d'Action française étaient là tout autour, et on reconnaît Blum et on va essayer de le lyncher. Vous savez qu'il sera frappé, qu'il va être sorti de sa voiture, qu'il sera couvert de coups de pied par terre et qu'on sera obligé de l'hospitaliser. C'est un climat dont il faut que nous retrouvions la violence, enfin la véhémence, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'idées. Un détritus humain. À mort, le juif. Un homme à fusiller, dans le dos. Oui.
pas un gouvernement de biens publics. Nous voulons rendre confiance en elle-même à l'Europe pacifique. Nous voulons rendre confiance en elle-même à la France laborieuse. Des millions de salariés se mettent en grève, les classes possédantes prennent peur, elles sont indignées par l'occupation des entreprises, jugées comme une intolérable atteinte aux droits de propriété. J'étais chargé de la rubrique syndicale et sociale du Populaire. Disons qu'on me signalait une grève dans la région parisienne, j'y allais, bon, pour une usine. Et au fur et à mesure que j'avançais, toutes les entreprises, les unes après les autres, se mettaient en grève. Une grève amicale, fraternelle, qui ressemblait beaucoup plus à une fête joyeuse qu'à une volonté de transformation de la propriété. À cette époque, ce qu'on appellerait maintenant un OS gagnait 5 francs, 5 francs 50 de l'heure. Un P2, P3 actuel, ça se situait à 7 francs, 7 francs 50. Certains ouvriers extrêmement qualifiés, comme les modeleurs, dépassaient 8 francs. C'était à peu près ça l'échelle. Alors voyez, on a découvert des salaires de 1 franc 50. Ce qui fait que ces femmes, après les grèves, étaient passées à 5 francs. Et voyez leur salaire triplé. J'ai vécu aux usines Renault volontairement enfermé pendant 20 jours. Et régulièrement, deux fois par jour, on me pendait et me jetait dans la Seine en effigie. On me repêchait, c'était consolant. J'ai vu pour la première fois les ouvriers qui relevaient la tête. J'étais un observateur déjà un peu extérieur au sujet, puisque j'étais en train de sortir de la classe ouvrière. Mon père était un ouvrier mineur, j'étais élevé dans les corons, mes camarades étaient dans les corons. C'était dans les corons que je voyais la chose, mais je savais déjà que j'allais en sortir, moi. Que je n'irais pas au fond de la fosse. Et je regardais les gens qui défilaient, je me souviens des gens qui redressaient pour la première fois la tête. Les communistes n'ayant pas voulu participer au gouvernement, Léon Blum constitue un cabinet socialiste et radical. Il obtient la confiance de la Chambre le 6 juin par 384 voix contre 210. Qui ne pourrait pas tomber du pouvoir sans que sa chute portât le plus cruel des coups à toute la classe ouvrière, à tous les partis rassemblés dans le Front populaire. Les conversations ont commencé. Je vous ai dit que je serai franc et je serai franc. Elles se sont poursuivies avec, de la part des représentants du patronat, un esprit de conciliation et avec une intelligence de la situation à laquelle je dois rendre hommage. Le 21 juin, Pétain déclare dans un discours que Blum va censurer. Comme si le péril qui grandit à ses frontières ne suffisait pas, nous y ajoutons de profondes dissensions intérieures d'ordre politique et social. Il est grand temps que les Français se reprennent. Blum m'a dit un jour, Julien, un président du Conseil peut faire des réformes pendant 3 mois, durant le temps où la haute administration n'est pas encore organisée pour l'empêcher d'en faire. C'est ce délai de 3 mois de possibilité que l'on peut appeler véritablement l'épanouissement du Front populaire. Vouloir la paix, ce n'est pas seulement au bord d'une grande crise internationale se raidir
et se cramponner désespérément pour empêcher l'humanité de rouler vers le gouffre. Mais la guerre éclate en Espagne, où le général Franco vient de déclencher un putsch contre le gouvernement républicain. Tandis que l'Italie et l'Allemagne interviennent immédiatement pour aider les fascistes espagnols, Léon Blum est paralysé par l'attitude de l'Angleterre qui exige la neutralité. Des canons, des avions pour l'Espagne, crie-t-on dans les milliers de meetings, alors que la presse de droite interdit à Blum le juif de voler au secours de ce qu'elle appelle le Frente Crapular. Dans le ministère, les cirques radicaux étaient opposés à toute intervention en Espagne et menaçaient de démissionner en bloc. Enfin, les ligues présentaient un péril beaucoup plus grand qu'on ne le supposait et comme cela a été révélé depuis. La France ne construira rien sinon sous la protection d'un ordre préliminaire à base de moralité. Cette action préside à l'œuvre fractieuse. Le bolchevisme de Moscou nous conduirait à l'anarchie, au carnage, à la mort. L'imitation fasciste ou naziste, en imposant à la France un régime contraire à ses aspirations, à son génie, contraire au respect de la personnalité, la rejetterait immanquablement vers les horreurs de la Révolution rouge. Et quand en 1936, Doriot fonde le PPF, quand le journal de Saint-Denis s'appelait l'Émancipation devient l'Émancipation nationale, je ne doute pas, et nous étions très nombreux à ne pas douter, qu'il veut faire un communisme sans Moscou, un communisme national, sans doute plus pragmatique qu'idéologique, mais fidèle à l'idéal socialiste. On ne peut pas imaginer, n'est-ce pas, ce que Doriot a été, même physiquement. On connaît généralement les images d'un assez gros bonhomme revêtu d'un uniforme allemand et plastronnant sous l'occupation, alors que nous avons tous connu un Doriot, magnifique athlète, c'était un homme très grand, très puissant, maigre, et qui était la figure même d'un partisan communiste. Devant le fascisme qui nous menace, nous avons le devoir de reprendre ce qui a toujours été les idées de la classe ouvrière, le rapprochement des peuples et éviter une nouvelle conflagration européenne. Mais je suis surtout content de ce résultat parce que j'ai écrit un livre sur la guerre et que dans ce livre, j'ai voulu affirmer, en dehors de toute question de parti, des opinions très nettes auxquelles je tiens passionnément depuis des années. Moi, je vais au PPF avec Drieux et nous ne doutions pas tous les deux que nous allions dans un parti de gauche. D'ailleurs, mais je m'aperçois vite que je me suis trompé, mais enfin, je me répète un peu. En avant, Saint-Denis. Pris dans un étau entre les 200 familles qui sabotent le Front populaire et les communistes qui accusent son gouvernement de capituler devant les trusts, Léon Blum est aux abois. C'est alors que se produisent à Clichy, dans la nuit du 16 au 17 mars, des événements très graves. Quand le tout Clichy du Front populaire, apprit que le Parti social français, c'est-à-dire les anciens Croix de Feu, allait organiser une grande soirée de gala au profit de leur famille dans le meilleur cinéma de la ville, alors ils crièrent à la provocation. Et ce sont les communistes qui prirent l'affaire en main. Et au soir dit, ils réunirent 6 à 7 000 manifestants sur la place Sacco-Vanzetti avant de se ruer sur le service d'ordre. Il faut ajouter qu'à cette époque, le drame de la guerre civile espagnole avait absolument débordé sur la France et dans l'Occident. Et les communistes et puis les gens des ligues se faisaient en somme la guerre par miliciens interposés. Alors le service d'ordre, dont je faisais partie, j'en commandais une partie, le service d'ordre reçut cette vague et pendant 4 heures d'horloge, dans la nuit, alors que l'éclairage urbain avait été complètement interrompu, on ne sait pourquoi, supportèrent des assauts nombreux. Le bilan a été effarant. On a dénombré 9 morts et 420 blessés, si mes souvenirs sont exacts, et dont 60% parmi les troupes du maintien de l'ordre. Nous avons reçu à peu près tout, des grilles d'arbres, des pavés de fonte, etc. Et puis surtout,
une vingtaine de milliers de coups de feu ont été tirés, dont on a repéré les empreintes sur les immeubles de la place. En définitive, on n'a jamais pu élucider le problème des coups de feu. Pourquoi m'ont-ils fait ça, aurait dit Blum, que Maurice Thorez traite d'assassin. Je n'ai pas vécu la dislocation du Front populaire parce que j'étais en Espagne. Mais je sais qu'au départ, il avait un défaut originel. Il avait été constitué au sommet, il n'avait pas d'organisation de base. C'était un colosse au pied d'argile. Quelques semaines avant que le Sénat fasse tomber le gouvernement Blum, l'exposition internationale s'est ouverte avec un vif succès. J'espère que cette exposition et la participation allemande contribuera au renforcement des relations entre nos deux peuples. Regardez, écoutez, comprenez et pressez-vous d'agir. Il n'y a pas une minute à perdre. Alerte. Ainsi que par qu'on peut, grâce à une organisation appropriée, parvenir à réduire la surprise, à supprimer la panique, à limiter les dégâts et les pertes. Mais il faut que cette organisation soit minutieusement préparée dès le temps de paix. Pour être fructueuse et féconde, elle exige de toute nécessité le concours dévoué de tous. Interview de l'As des As, René Fond. Mais pourtant, généralement, que l'attaque aurait lieu sans préavis et ne serait probablement précédée d'une période de tension diplomatique de très courte durée. L'effet de surprise serait donc porté au maximum. Pensez-vous, mon commandant, que votre armée de l'air soit actuellement à même de faire face à cette éventualité? Absolument. Et vous pouvez être persuadé qu'elle serait en état de livrer bataille à l'adversaire le plus redoutable avec toutes les chances de succès. Les Français ne se préparaient pas à la guerre. Ils y pensaient, ils étudiaient des méthodes, mais toutes ces méthodes, on les retrouvait dans les manuels de 1914, de 1918, de 1925, et manifestement n'avaient rien à voir avec la guerre qui allait se produire dans 5, 10, peut-être 15 ans. Le Front populaire a encouragé le vol à voile pour démocratiser le recrutement des futurs pilotes. Il a popularisé le modélisme pour attirer les jeunes vers l'aviation. Mais en 1937, nous avions 4 ans de retard sur l'Allemagne. Vous représentez la jeune aviation populaire. Vous êtes l'avenir de l'aviation française. Et je veux simplement, au nom de vos aînés, au nom du ministère de l'Air, au nom de toute l'aviation, saluez en vous l'avenir des ailes françaises, un avenir qui sera digne du passé que vous ont légué les aviateurs qui vous ont précédé dans la carrière aérienne. La nationalisation décidée par Pierre Cotte et son directeur de cabinet Jean Moulin, dès août 1936, avait été une mesure qui donnait à la France la possibilité de mettre en place une véritable industrie aéronautique, capable de produire des avions de combat modernes d'une manière industrielle, ce qui n'existait pas. Cependant, cette nationalisation était insuffisante, parce que seules les usines de production de cellules d'avions avaient été nationalisées. Les moteurs n'avaient pas été nationalisés et les accessoires, les atterrisseurs, les hélices, les armements n'avaient pas été nationalisés. Et surtout, les bureaux d'études n'avaient pas été nationalisés. Ce qui fait que les propriétaires des usines, les administrateurs délégués des usines, restaient à la tête des sociétés nationales.
se rappeler que Pétain avait réduit de 30% en 1934-35 les crédits pour l'armée de l'air et qu'il avait fait de l'armée de l'air une annexe de l'armée de terre. On faisait du matériel neuf avec des vieilles idées. On faisait des équipages de vieux et des équipages de jeunes au lieu de les mélanger. Et on a compris que le grand nombre d'accidents venait du manque d'expérience des jeunes et du manque des possibilités des vieux. Les gens n'étaient pas préparés à la guerre, ils étaient préparés à être de brillants pilotes d'exhibition et de démonstration. Après l'affaire d'Éthiopie qui a rapproché Mussolini de Hitler sur l'axe Rome-Berlin, l'Allemagne nazie peut envisager d'accroître son espace vital. On construit la ligne Siegfried, série de fortifications et d'obstacles anti-chars, pour dissuader la France de bouger. Puis on utilise la tactique de la goutte de poison. Dans chacun des pays convoités, on suscite un parti de germanophiles ardents. Ils se mobilisent sur ce mot d'ordre, plutôt Hitler que Staline. Les citoyens jette, hélas, parfois, un regard vers des régimes du dehors, dont parfois, jusque sur notre territoire, des agents actifs. On commence parfois, dans certains partis, à désespérer de la démocratie. C'est à nous, citoyens, il appartient de faire la preuve qu'en face des moyens faciles de la contrainte, nous sommes capables de faire appel aux disciplines volontaires de la liberté. 11 septembre 1937, des explosifs pulvérisent l'immeuble du patronat français rue de Presbourg à Paris. On crie d'abord au complot communiste, puis on s'aperçoit vite qu'il s'agit d'un attentat perpétré par une organisation fasciste clandestine, la Cagoule. On découvre des armes, on arrête les chefs cagoulards, de l'oncle et du seigneur, on les juge, mais leur condamnation n'empêche pas de réfléchir à la signification historique de l'événement. Pour la démocratie française, c'est là un symptôme de gangrène. Parce que Pétain, c'est un homme de mon pays. Enfin, bon, il y a de tout dans un pays, hein. Il était du Pas-de-Calais, était originaire de Cauchy-à-la-Tour, et il avait été militaire au 33e d'infanterie à Arras en même temps que de Gaulle. Et pour nous, il était le factieux. Depuis sa prise de position pour Franco, pour nous, il était le factieux. Mais il ne faut pas oublier non plus que les fascistes même en France défilaient avec le slogan « C'est Pétain qu'il nous faut ». Ils n'étaient pas satisfaits de la déliquescence du Front populaire dans des gouvernements Chotan, Bonnet et autres, des radicaux qu'on appellerait aujourd'hui de droite, et ça ne suffisait pas aux factieux, ils voulaient aller plus loin, ils défilaient au cri de « c'est Pétain qu'il nous faut », si bien que pour nous, Pétain, c'était quand même déjà un ancien maréchal de la guerre, bien sûr, mais c'était déjà un homme politique de droite. Et alors, toute la grande bourgeoisie se ruait contre le Front populaire et réclamait Pétain comme une sorte de dieu qui résoudrait toutes les difficultés. Il y avait les anciens combattants et peut-être par-dessus tout Laval qui manœuvrait les esprits, se faisant la caution de Pétain et se donnant en même temps Pétain comme caution. Dès lors, dans l'opinion publique, à vertu se développait l'idée que la réaction prendrait la forme d'un couple, Laval et Pétain. Pétain, en tant que vainqueur de la Première Guerre, était très respecté par les Français. Léon Blum avait dit de lui qu'il était le plus noble et le plus humain de nos chefs. Donc c'était un personnage qui avait une autorité morale. Mais de là à le considérer comme, à ce moment-là, comme un sauveur, comme un homme à diviniser, je ne crois pas que c'était dans l'atmosphère. Je n'ai aucun souvenir de ce genre. La gangrène national-socialiste, elle, a gagné l'Autriche. À Vienne, où Hitler a imposé la nomination d'un ministre de l'Intérieur nazi, des manifestations favorables à l'Anschluss se produisent chaque jour. Il ne faudra pas longtemps pour que le fruit mûrisse et tombe.
À Paris, où on s'affole, Blum tente de former le 18 mars un cabinet d'union sacrée avec tous les partis. Mais le Front populaire est bien mort et on investit Daladier. Hitler, qui veut annexer la Tchécoslovaquie, invoque le problème des Sudètes, c'est-à-dire le droit à disposer d'eux-mêmes pour 3 millions d'Allemands qui vivent en Bohême. Le premier ministre anglais, Chamberlain, soucieux d'éviter une épreuve de force, propose de faire pression sur les Tchèques pour que ceux-ci obtempèrent, mais la Tchécoslovaquie est liée à la France et à l'URSS par des pactes d'assistance mutuelle. C'est dans ces conditions dramatiques que s'est réunie à Munich, le 29 septembre 1938, une conférence à quatre, dont sont exclus les Tchèques et les Soviétiques. Quant au maréchal Pétain, il déclare « Je ne crois pas que nous puissions être entraînés dans la bagarre tchécoslovaque. Il faudrait vraiment que nos dirigeants aient perdu la boussole. » La population, alors, s'était emparée de la rue. Et pendant des journées entières, nous avons manifesté avec eux. On a couru de tous les coins de Tchécoslovaquie. Et surtout dans les derniers jours, le cri unique de la population de Prague, c'était « Donnez-nous des armes ». De Daladier, confirmé par tous ceux qui étaient ses compagnons, arrivant au Bourget de Munich et voyant le terrain noir de monde, il était convaincu qu'ils étaient, suivant son mot, excusez l'expression, venus me casser la gueule. Ils étaient venus, les pauvres, crier « Vive la paix !» parce qu'ils croyaient qu'on avait sauvé la paix. On avait, ce jour-là, pratiquement préparé la guerre, préparé la défaite, et tout cela dans le déshonneur. Je parlais donc avec un interprète, avec un Tchèque qui parlait français, en passant sur le pont Saint-Charles, lorsqu'un officier tchèque, les bras couverts de galons d'or, qui n'allait plus servir à rien, puisque l'armée tchèque n'allait pas pouvoir se battre, et cet officier, nous ayant entendu parler français, revint sur ses pas et cracha à mes pieds. Eh bien, depuis, je ne cesse de dire que ce crachat-là, en tant que Français, je l'avais mérité. Et ce qui étonne peut-être un peu maintenant, avec le recul du temps, c'est de constater, au fond, comment beaucoup d'hommes politiques avaient dit les choses. Georges Bonnet disait « Il faut détourner l'orage vers l'Est ». C'est clair, n'est-ce pas? Il avait dit aussi « Laissons Hitler se perdre dans les sables du Danube ». Il y trouvera la guerre contre l'Union soviétique. C'était le fond, ça. On croit que l'Union soviétique, dégoûtée par notre attitude à Munich, a ensuite viré du côté de l'Allemagne jusqu'au pacte germano-soviétique. Mais ça n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Déjà auparavant, Staline avait deux fers au feu, et son idée préférée était finalement de pactiser avec Hitler. C'est pourquoi il lui a envoyé des émissaires qui ont essayé d'accrocher l'affaire et qui n'ont pas rencontré à ce moment-là un accueil favorable de la part d'Hitler, ceci déjà dans les années 35 et 36. Et si jamais les circonstances l'avaient amené à intervenir aux côtés des Alliés, c'eût été seulement pour prendre son morceau de Pologne et s'arrêter là, comme il l'a fait en accord avec l'Allemagne en 39. Voici Ribbentrop à Paris, la main tendue. La politique du bluff continue. La France et l'Allemagne, tenant compte de la base solide que constitue l'amitié, qui nous lie à d'autres États, sont tombés d'accord pour mettre fin à leur conflit de frontières séculaires et en reconnaissant réciproquement leur territoire pour faciliter la voie à une reconnaissance et à une considération réciproque de leurs intérêts vitaux nationaux.
même si en Allemagne il y a un régime abhorré, l'idée d'une deuxième guerre mondiale, des horreurs atroces que cette guerre va entraîner, n'est pas acceptée. C'est un courant qui est très fort dans la gauche française. Et là, vous avez, et je pense que c'est un courant qui est très fort, finalement, dans l'ensemble de la population française, qui n'oublie pas les 1 500 000 morts de 14. Il n'y a qu'à jeter un petit coup d'œil, d'ailleurs, sur les monuments aux morts des villages pour se le rappeler. Et il y a un autre courant qui petit à petit s'habitue à l'idée que la guerre est inévitable, que le fascisme tel qu'il est incarné par Hitler est le mal absolu et qu'il faut se préparer à cet affrontement. 20 novembre 1938, 20e anniversaire de la libération de Metz. La France s'abandonne à la joie de vivre. Les Français, oubliant que la grandeur d'un pays n'est faite que de la somme des efforts personnels, se laissent entraîner vers les jouissances et les appétits matériels. Comme en 1917, je sonne le rappel des énergies françaises. Garde à vous. Nommé ambassadeur de France auprès de Franco, le maréchal Pétain arrive à la frontière le 16 mars 1939. Le premier accueil est plutôt frais. Le maréchal écrit à sa femme : on est très sévère à l'égard de la France. On manifeste même dans certains milieux des sentiments voisins de la haine. Nous payons les fautes de nos gouvernements au cours des dernières années. Cependant, sur l'autre frontière, celle des Pyrénées-Orientales, les réfugiés affluent. Le 24 mars 1939, à Burgos, Franco accueille le nouvel ambassadeur. Dès 1937, Hitler consacra plus de 60% de son budget à forger dans les airs, sur mer et sur terre, l'extraordinaire machine de guerre du Reich. La France, elle, a misé l'essentiel de sa défense sur ce que Pétain appelle le front continu idéal, la ligne Maginot, qui protège la frontière de l'Est jusqu'aux Ardennes. Donc tout le monde y a cru. On avait beau savoir qu'elle n'était pas prolongée et assez loin jusqu'à la mer, on avait beau savoir que peut-être les conditions de la guerre étaient en train de changer, néanmoins, il y avait cette assurance fondamentale qui explique beaucoup de choses, que la France ne serait pas envahie. Il y avait par ailleurs une contradiction totale entre cette politique théoriquement satisfaisante et la diplomatie française qui consistait au contraire à promettre des interventions à des pays éloignés comme la Pologne ou la Tchécoslovaquie et qui impliquait une offensive, c'est-à-dire la sortie hors de ces précieuses fortifications. La politique de réarmement de ce pays a été rendue impossible à cause des méthodes vétustes dans lesquelles nous vivions et dans lequel nous enfermait une administration absolument incompréhensive des problèmes industriels. Je crois surtout que l'effort de la France a été mal orienté. On n'a pas refusé les crédits militaires, on n'a jamais refusé les crédits militaires demandés. Mais on a continué dans cette fausse voie que j'indiquais, où on se préparait par une politique défensive à une action offensive. 14 juillet 1939. Les coups de boutoir de Mussolini et d'Hitler provoquent une ultime course aux alliances, dont l'Union soviétique devient l'enjeu. Et, le 23 août, Staline, sachant combien le peuple allemand aime son Führer, se fait une joie de boire à sa santé pour fêter la conclusion d'un pacte de non-agression. Ah, le pacte germano-soviétique, ça a été une nouvelle déconcertante pour tous les communistes et pour moi-même comme pour tout le monde. J'ai été catastrophé, mais non indigné. Mais j'ai été davantage catastrophé par les positions
qu'a pris le Parti communiste après coup. C'est-à-dire en déclarant que le pacte germano-soviétique, c'était la paix. Et ensuite, en invitant le gouvernement français à conclure la paix avec Hitler. Dans cette période où les choses n'étaient pas comme elles sont maintenant, c'est-à-dire où Parti communiste et Union soviétique s'étaient compris dans le peuple comme exactement la même chose, sans aucune divergence. Voilà que dans cette situation, il y a une part importante des vainqueurs de 1936 qui admet que Staline signe un pacte avec Hitler. Ça a dû amener beaucoup d'ouvriers à dire, après tout, pourquoi pas Pétain ? Je dis très franchement, si j'avais été à la place de Staline, et si j'y étais encore, j'aurais signé le pacte germano-soviétique, parce que c'était la seule manière de briser l'encerclement qui se formait, l'union de l'ensemble des forces capitalistes de l'Europe pour essayer de détruire l'Union soviétique. La vérité, c'est que les dés étaient jetés. Tranquille du côté soviétique, Hitler réclame Danzig et tout le corridor. La Pologne répond en mobilisant et le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale commence. Le 17 septembre, les troupes soviétiques entrent à leur tour en Pologne, dont l'armée a été anéantie en une semaine. Tandis que fument encore les ruines de Varsovie, nazis et soviétiques se partagent les dépouilles. Trois jours avant la déclaration de guerre, le général Gamelin avait exprimé le désir de déjeuner avec moi. J'ai déjeuné avec lui chez M. le Provost de Launay, un de mes amis qui à ce moment-là était président du conseil municipal à Paris. Et à la fin du repas, le général Gamelin m'a dit, voyons, vous qui connaissez bien l'armée allemande, combien de divisions peut-elle mettre en ligne en cas de guerre? Je lui ai dit, mon général, vous me demandez là une question très grave, étant donné qui vous êtes, je ne voudrais pas risquer de dire une erreur, ma responsabilité serait engagée, je ne le sais pas. Si, dites quand même, vous avez bien une idée. Bah, je dis, je crois, dans les 210 divisions. Ah, il me dit, bah, écoutez-moi bien, que la Wehrmacht est 10, 30, 50, 100, 150 ou 300 divisions, ça m'est égal. Parce que dès que nous aurons déclaré la guerre à l'Allemagne, je n'aurai jamais affaire à l'armée allemande. Je lui dis, mais général, vous m'étonnez. Il me dit, mais non, réfléchissez, c'est très simple. Le jour où nous déclarons la guerre, le régime s'effondre. Il y a des troubles à Berlin. La Wehrmacht, au lieu d'être à une frontière, marche sur Berlin pour rétablir les troubles. Et nous, nous n'avons plus qu'à entrer en Allemagne comme dans du beurre. J'avoue que j'ai été saisi. Mais je crois que ce qui n'est pas tellement important, et je reviens à votre question de tout à l'heure, vous me dites, est-ce que, étant donné le rapport des forces, etc., c'était pas tellement le rapport des forces qui était grave. C'était l'incompréhension de la situation du côté français. S'imaginer qu'on pourrait, en septembre 39, entrer en Allemagne comme dans du beurre, c'était la preuve qu'on n'avait aucune espèce de notion de ce qu'était l'Allemagne en 1939. Dans les cas difficiles, il faut sauver l'enfant, écrit Maurras en guise de raison funèbre. Eh bien, sauvons d'abord la France si on veut sauver l'avenir polonais. Soucieux de ménager le sang de la France, le général Gamelin réfléchit et se contente de veiller au moral des mobilisés. On n'était pas des héros. Le problème pour nous, c'était pourvu qu'on tombe bien, qu'on soit mobilisé dans une unité où on ne va pas au casse-pipe facilement. On rêvait à l'époque, parce qu'on était jeunes, d'unités motorisées, parce qu'on restait avec l'idée que quand on était dans les unités motorisées, ma foi, on se faisait moins tuer que quand on était dans les fantassins. Ça se limitait à ça. On vivait avec une espérance de 3 mois ou de 4 mois.
Et puis on calculait, on se disait, le temps de faire les classes, peut-être que la paix interviendra. Peut-être qu'on sera venu à... On ne disait pas peut-être que la paix interviendra, on disait peut-être qu'on sera venu à bout des Allemands. On était tellement persuadés que c'était les Allemands qui allaient perdre. On avait les Anglais chez nous, on voyait la puissance de l'armée anglaise. On était persuadés que les Allemands allaient prendre une tannée. Daladier essaye de faire un gouvernement d'union nationale avec tout le monde. Et il demande naturellement au maréchal Pétain. C'est la guerre, le maréchal Pétain est très important. Pétain avait été nommé au mois de mars auprès de Franco. Il était ambassadeur à Madrid. Eh bien, Pétain va refuser. On sait d'autre part que lui, à part ambassadeur de France à Madrid, ne tient pas suffisamment sa langue. Un ambassadeur est un homme qui est, enfin en principe, discret. Et nous avons un télégramme du 16 novembre 1939 de l'ambassadeur d'Italie à Madrid qui, avec beaucoup de joie, signale à son gouvernement que le maréchal Pétain tient des propos défaitistes et indique clairement qu'à son avis, la France n'aurait pas dû s'engager dans cette guerre. L'ambassadeur d'Italie dit, d'après nos renseignements, il semble que si le mouvement pour la paix qui se développe à l'intérieur du Parlement français prend encore plus d'importance, le maréchal Pétain pourra jouer un rôle important. Tandis que s'agite la cinquième colonne, Daladier mène la répression contre les communistes, puis on s'installe dans cette drôle de guerre que Torres déserte sur l'ordre du Comintern. On visite le front, on inspecte, on prononce des paroles bien senties et on fixe parfois sur la pellicule, pour l'histoire, des images intéressantes. L'authentique fait d'armes ponctue cette longue attente, tel celui qui fera citer Joseph Darnand à l'ordre de l'armée, ce même Darnand qui sera 2 ans plus tard le chef de la sinistre milice. Ce qui était flagrant, c'est qu'on ne faisait pas la guerre à Hitler. On jouait au football. Et j'ai souvenance qu'étant officier à l'état-major d'une division, j'avais demandé en haut lieu à remembrer mon GRD, mon groupe de reconnaissance divisionnaire, qui n'était composé de chevaux. J'avais demandé des automitrailleuses. Ce n'était pas un souhait bien extraordinaire. Et on m'a répondu, écoutez, on n'a pas d'automitrailleuses, mais on peut vous envoyer des sabres modèle 22 modifiés 80 et des masques à gaz. La France est en guerre avec l'Allemagne. Lorsque des diplomates étrangers de pays qui sont en lutte se rencontrent, je me suis renseigné là-dessus quand j'ai eu du temps de ma vie diplomatique. Je sais ce qu'il faut faire lorsque 2 ambassadeurs de pays qui sont en conflit se rencontrent dans une entreprise, un entretien diplomatique. Ils doivent se saluer d'un mouvement de tête discret et assez lointain. Or, que fait le maréchal Pétain? Cette fois, ce n'est plus von Faupel, c'est von Storer qui est l'ambassadeur de Hitler. Le 19 mars 1940, le maréchal Pétain se trouve en présence de von Storer. Non seulement il ne se contente pas du fameux petit signe de tête que le protocole indiquait, mais il s'avance dans la direction de von Storer et devant tout le monde lui serre cordialement la main. Vous savez, si ça avait été un autre que Pétain, il aurait perdu immédiatement sa carrière. Hein. On l'aurait brisé, on l'aurait rappelé. Il s'agit du maréchal Pétain, alors c'est pas question. Jugé trop mou dans l'affaire de Finlande, Daladier est mis en minorité. Paul Reynaud, qui est désigné pour le remplacer, obtient 268 voix contre 156 et 111 abstentions. Il est donc au pouvoir avec 1 voix de majorité. Président du Conseil s'en va en guerre, puis il va convaincre les Britanniques le 28 mars de ne signer ni armistice ni traité de paix que d'un commun accord.
10 mai 1940, il est 4h25, l'aurore a 15 minutes d'avance sur l'horaire prévu par Hitler. Tonnes d'explosifs détruisent Rotterdam en quelques heures, faisant des milliers de victimes pour l'exemple. Alors que le gros de l'armée française entre en Belgique, von Rundstedt lance ses divisions blindées en direction des Ardennes, ce massif forestier que Pétain avait jugé impénétrable. Pour Gamelin, la surprise est totale. Et pourtant, le haut commandement avait été prévenu à plusieurs reprises par les services de renseignements alliés. Il avait été alerté également par les pilotes français qui avaient observé les 7, 8 et 9 mai de longues colonnes de chars se dirigeant vers les Ardennes. Les panzers du général Guderian franchissent la Meuse. En trois jours, l'armée Korap, la 9e, se volatilise et le général Hutzinger, qui commande la 2e armée, se replie en vitesse jusqu'à Verdun, laissant le passage libre. On a cru dans les études faites depuis que les Allemands avaient eu beaucoup plus de chars et beaucoup plus d'aviation que nous. Pour l'aviation, c'est vrai, mais pour les chars, non. Nous n'en avions pas moins, nous en avions plus que seulement. C'était des chars, par exemple, qui n'avaient aucun moyen de communiquer entre eux. Ils n'avaient pas la télé ou la radio d'un char à l'autre. Aucune opération collective n'était possible. Ils étaient isolés. De plus, ils étaient hachés en tranches de saucisson et étaient considérés comme des armes d'accompagnement de l'infanterie et qui ne devaient pas, par conséquent, progresser plus vite que l'infanterie. N'avaient pas pensé au rôle du char. Les Allemands en avaient moins que nous, mais ils étaient groupés. Ils formaient vraiment un fer de lance, précédé par une aviation qui, elle, était incomparablement plus forte que la nôtre. Parce que nos avions volaient à cette époque-là à 250 à l'heure et les Stuka faisaient du 500. De plus, ils avaient la technique du vol en piqué qui était terriblement démoralisante pour ceux qui la subissaient.
partir du 16 ou 17 mai, j'assiste à la débâcle de l'armée française enfoncée sur la Meuse, l'armée corrable enfoncée, reflux. Dans... Et là, nous voyons une chose que je pense, je n'ai jamais pensé voir de ma vie, une retraite qui rappelait celle de mes souvenirs historiques, enfin mes lectures me faisaient penser que je voyais la fuite de la Grande Armée après Waterloo, un flot de soldats, d'officiers, désarmés, en espadrilles, même certains, ça peut paraître extravagant, nu-pieds, courant le long des routes. Dès ce moment-là, j'étais extrêmement pessimiste. On peut dire ceci encore, c'est qu'en avril 40, Gamelin vient trouver le général Korab, qui commandait la 9e armée qui a été démolie à Sedan, et il lui dit ceci, parce que Korab lui demandait des moyens supplémentaires. Il lui dit, écoutez, Korab, la Meuse, ça ne m'intéresse pas. Pour ma génération, l'invasion, l'occupation de 1940, ça a été la connerie des vieux. Je me rappelle que notre slogan, c'était « On n'a jamais encore voté une seule fois, on n'avait jamais été électeur, puisqu'on votait à 21 ans à l'époque. » Et on disait tous « On n'a jamais voté une seule fois, et c'est nous qui allons aller nous faire tuer. » Et les vieux qui ont toujours voté nous ont amenés là avec leurs conneries. La situation est grave, elle n'est nullement désespérée. Ce que le pays attend du gouvernement, ce ne sont pas des paroles. Il n'en a que trop entendu depuis quelques années. Ce sont des actes qu'il veut. Voici les décisions que je viens de prendre. Le vainqueur de Verdun, le maréchal Pétain, est revenu ce matin de Madrid, où il a rendu tant de services à la France. Il est désormais à mes côtés comme ministre d'État, vice-président du Conseil, mettant toute sa sagesse et toute sa force au service du pays. Bah, il faut dire les choses comme elles sont, ils ont perdu la tête. S'ils l'avaient gardée, ils ne l'auraient jamais fait. On ne peut pas échapper à l'impression que tout de même, ils voulaient se créer un paravent et qu'ils voulaient se mettre à l'abri du prestige et de la gloire du vainqueur de Verdun, comme du prestige et de l'expérience de l'ancien chef d'état-major de Foch, parce qu'ils sentaient tout s'écrouler entre ses mains. Et il a espéré que ça suffirait d'une part, non pas tellement à modifier la situation sur le champ de bataille, mais à galvaniser le pays et à donner confiance dans le pays. Avoir les moyens de fuir, il fallait une charrette au moins. Il fallait quelque chose, il fallait de quoi transporter quelques meubles. Les gens de ma cité minière n'avaient pas ces moyens-là, étaient restés tous chez eux. Seuls les jeunes étaient partis en vélo, en tandem, avec ce qu'on pouvait trouver ou ce dont on pouvait disposer. Et puis on a été rattrapés par cette colonne allemande, c'était vraiment pour nous... On a pleuré. Nous étions informés d'avance que Paris serait bombardé et que nous étions là pour le défendre. On a mis 27 avions, c'est-à-dire 3 patrouilles de 9. Les ordres étaient de rester de 2000 mètres de hauteur, d'observer le passage des bombardiers et ne pas tirer. Nous avons vu arriver les bombardiers annoncés. Nous savions qu'ils avaient plein de bombes. Nous savions qu'ils allaient bombarder Paris. Et nous n'avions pas le droit de tirer. Eh bien, pour un chasseur qui a été formé pour cela toute sa vie, c'est effroyable. Et nous avons vu revenir ces bombardiers allégés de leurs bombes et probablement rigolants. Ils rigolaient tellement fort qu'ils parlaient entre eux en radio. Ils ont appelé leur chasse. Leur chasse est arrivée tout doucement. Il est arrivé à peu près une soixantaine de Messerschmitt. Nous n'avions toujours pas le droit de tirer. Et quand ils étaient 60, eh bien, ils nous ont tous envoyés au tapis. Paris
Paris, qui vit dans l'angoisse, apprend qu'un miracle vient de se produire. À Dunkerque, 337 000 hommes, dont 110 000 Français, ont pu échapper au coup de filet et ont été évacués sur l'Angleterre. Mais la Wehrmacht avance irrésistiblement. Ne sachant plus à quel saint se vouer, Paul Reynaud emmène son gouvernement au grand complet, entendre la messe à Notre-Dame. Paul Reynaud est véritablement le metteur en scène du destin français. Le 5 juin, il fait venir le général de Gaulle, qu'il connaît bien d'ailleurs depuis plusieurs années, car de Gaulle lui a soufflé, l'a inspiré dans toute sa doctrine militaire. Mais Paul Reynaud, s'il est metteur en scène, est un metteur en scène très hésitant. Et un bel effort avait été fait par la tendance mélicoise pour ne pas quitter Paris. On avait dit, il n'y a qu'à imiter l'exemple des sénateurs romains qui ont attendu les barbares au milieu de la grande ville. Et ça, ça a de la dignité, tandis que vous allez courir d'une façon honteuse, vous allez fuir sur les routes, ça n'aura pas de grandeur. Or, Reynaud ne prend pas des décisions, sauf une, devant l'avance allemande qui se précipite. Eh bien, il prend la décision de quitter Paris et le gouvernement abandonne la capitale dans la nuit du 9 au 10 juin 1940. Les avant-gardes allemandes ont pénétré dans Paris le 14 juin et le 18 au petit matin, un balayeur au Trocadéro n'en croit pas ses yeux. Une grande limousine décapotée passe devant lui. Adolf Hitler et l'architecte Speer sont assis sur la banquette arrière. Le gouvernement s'est réfugié en Touraine et se disperse dans une vingtaine de châteaux. Paul Reynaud avait le sentiment que son devoir était de recoller dans la mesure où elle tendait à se séparer, de recoller les deux moitiés de la France qui commençaient à se battre et sur un plan de politique de guerre ou de paix. Le 13 juin, Philippe Pétain brise cette espèce de loi qui veut qu'au Conseil des ministres, on ne lise pas de notes. Lui a préparé une note. Il va la lire dans le château de Cangé devant les ministres très étonnés de cette rupture avec les habitudes. Et que dit cette note qui est essentielle? Elle dit que, d'après lui, le gouvernement doit demander l'armistice, qu'il n'est plus possible de croire à un succès, que les Américains, que Reynaud appelle vainement à son secours, ne viendront pas, que les Anglais n'envoient pas d'avion, et qu'il faut que le gouvernement reste sur place. Et pratiquement tout l'effort de Paul Reynaud a été au contraire de les amener étape par étape à se rapprocher d'un port pour que le départ soit possible pour continuer la guerre hors de France. Le gouvernement s'installe à Bordeaux dans la soirée du 15 juin. Pétain dit qu'il faut faire rapidement l'armistice parce que l'armée française est en train de se liquider. Appuyé par Végan du reste, il dit qu'il faut demander l'armistice rapidement pour que nous ayons au moins 100 000 hommes, on voulait demander 130 000, pour faire tenir tranquille les communistes. Car Pétain et Végan se persuadent que les communistes, comme souvenir de la Commune, vont peut-être faire un effort au moment profitant du désastre français. Il y a effectivement un complot à Bordeaux. Ce n'est pas le complot des hommes, c'est le complot des événements. C'est le complot de la défaite. C'est le complot des Allemands qui courent sur les routes de France à ce moment-là, car Rommel fait des étapes de 150 et de 200 km dans sa journée. Eh bien, Paul Reynaud, qui sent tout cela et qui ne voit plus d'issue au drame de la France et d'issue à son drame personnel, donne sa démission dans la soirée du 16 et le président de la République, Lebrun, demande au maréchal Pétain de former le gouvernement et tout cela se passe dans cette soirée du 16. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. J'ai entendu les propos de Pétain à la radio. Ça m'a semblé attristant. Mais c'était un fait qu'il n'y avait plus rien à faire. J'avais vu tout au long de ce périple dans quel état d'impréparation, de désordre la guerre était engagée et qu'en définitive, le choix qu'il y avait à ce moment-là, c'était ou faire un baroud d'honneur et par conséquent risquer inutilement des centaines de milliers de vies humaines sans aucun résultat et avoir la France entièrement occupée. Et au fond, je me disais, il est peut-être préférable de mettre fin à ce gâchis. Quand la population a su qu'un armistice était demandé, ce fut un soupir de soulagement. Nous étions persuadés que quelque chose du pays, qu'un morceau du pays serait sauvé. Quelle que soit la fin que cela prenne, que l'on l'appelle armistice ou capitulation, pour moi la guerre était perdue, mais j'ai été désespéré parce que j'avais bien compris que c'était la fin d'une certaine France et que je ne reverrais plus la France de mon enfance et de mon adolescence. Le 17, 5 ou 6 heures. Avant que le maréchal Pétain prononce son discours, le général de Gaulle, lui, a pris un tout petit avion en direction de Londres et le 18, il va, depuis la BBC, lancer son célèbre appel. 21 juin 1940, retombe dans la forêt de Compiègne, Hitler a choisi un décor propre à humilier les vaincus, le wagon-musée de 1918. Le général Hutzinger, le vice-amiral Leluc, les généraux Bergeret et Parizeau, l'ambassadeur Léon Noël forment la délégation française. Neutralisation du potentiel militaire français, occupation de 55% du territoire qui sera partagé en deux par une ligne de démarcation, 400 millions à payer chaque jour pour les frais d'occupation, obligation de livrer les réfugiés politiques. L'honneur est sauf, dit Pétain, la France ne sera administrée que par des Français. La France livrée, la France pillée, la France asservie, conclut De Gaulle. Végan remettra au maréchal Pétain le 28 juin 1940 à Bordeaux une petite note dans laquelle il résume les grandes lignes de ce que doit être selon lui la fameuse révolution nationale, et je crois pouvoir les résumer ainsi: travail, famille, patrie, sans oublier Dieu. Vous avez souffert, vous souffrirez encore. Ce n'est pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. À la fin du mois de juin, le gouvernement Pétain, qui ne peut pas rester en zone occupée, va quitter la ville. Et à la fin de mois, c'est un long cortège de voitures qui abandonne Bordeaux, qui s'éloigne et qui transporte ce gouvernement errant. Tout d'abord jusqu'à Clermont-Ferrand et puis ensuite, le 1er juillet, à Vichy. Juillet 1940, Merzelkébir près d'Oran, Churchill a déclenché l'opération Catapulte. Tout navire français ne rejoignant pas un port anglais ou antillais devra être coulé pour ne pas tomber aux mains des Allemands.
un cuirassé coulé, trois autres bâtiments gravement endommagés, plus de 1300 marins tués. Le théâtre du Grand Casino va servir de cadre au dernier acte. J'étais là de passage ce jour-là et j'ai assisté à la séance. Il n'y avait plus d'hémicycle, il n'y avait plus de la droite et la gauche dans leur place normale. Et puis il y avait surtout un sentiment d'urgence extrême. Le discours de Laval aurait pu être résumé en disant « Mes petits amis, vous êtes bien gentils, mais nous allons passer aux affaires sérieuses ». On s'exprimait, à commencer par les présidents des assemblées, avec le plus grand respect, la plus grande déférence à l'égard du maréchal Pétain. Et par ailleurs, alors on pouvait noter quelques épisodes pittoresques ou affligeants, l'isolement de Léon Blum, tout seul, l'apparition de Paul Reynaud avec la tête enturbanée parce qu'il venait d'avoir un grave accident d'automobile. Enfin, il y avait beaucoup de scènes curieuses et, ou émouvantes dans le détail, mais l'impression dominante était que déjà la réalité n'était plus dans le Parlement. 569 voix contre 80 et 20 abstentions pour faire disparaître dans la trappe une démocratie parlementaire et donner tous les pouvoirs à un seul homme. Vous savez, le pouvoir est une chose mystérieuse. On ne souhaite pas le prendre jusqu'au moment où on l'a. Et puis quand on l'a, on a très envie de le garder. Je ne crois pas, très sincèrement, je fouille dans mes souvenirs, je ne crois pas que le maréchal ait eu envie de prendre le pouvoir du tout. D'abord parce qu'il ne pouvait le prendre qu'en cas de défaite et que c'était une hypothèse qu'il ne voulait pas envisager. Mais il est évident qu'à partir du moment où il l'a eu et qu'il a vu tant de Français l'acclamer pour être au pouvoir, qu'il a estimé qu'il avait une grande partie à jouer qui était à sauver la France de la défaite et de la sortir du trou où elle avait glissé au moment où l'a appelé pour venir. Pétain s'est considéré comme un homme providentiel. Il avait dans l'esprit l'idée d'une France républicaine plus ou moins dévoyée et qu'il fallait racheter. La France pouvait faire son mea culpa. Il avait certainement éprouvé de l'admiration pour les performances de Mussolini et d'Hitler dans les dernières années. Et il pensait que la France payait ses fautes. Amoureux a parfaitement raison de dire que si on avait fait un plébiscite à la fin de 40 et que 98% des Français auraient plébiscité Pétain, parce qu'à ce moment-là, on le prenait pour l'homme qu'il voulait se donner et qu'il n'était pas. Les yeux se sont ouverts, ce dessillement s'est accompli et il ne faut pas permettre aujourd'hui de nous refermer ces yeux. Il semble surgir de la grandeur antique. Il est droit comme sa conscience. Sa moustache a l'impeccable blancheur de la vertu. En vérité, cet homme est miraculeux. Simples échantillons des transports qui saluent le monarque de Vichy. C'est une divine surprise pour Maurras et l'extrême droite, une véritable aubaine pour cette bourgeoisie qui osait chuchoter plutôt Hitler que le Front populaire, une pilule amère pour la gauche divisée qui voyait la fête de 1936 s'achever dans le césarisme. Le 10 juillet 40, jour J de la prise du pouvoir par Philippe Pétain, c'est en quelque sorte un 6 février 34 réussi. La République s'est métamorphosée en état totalitaire, et cela au terme d'un processus de décomposition qui a duré 7 ans. Aussi serait-il un peu simpliste d'expliquer la tragédie de 1940 par la trahison d'un seul homme. Mais le fait de s'acharner sur Pétain ne permet-il pas d'occulter l'essentiel de la réalité historique? Ne permet-il pas de dissimuler que Vichy a été la revanche des grands intérêts privés? Le triomphe de l'égoïsme de classe sur l'espoir de changer la vie ne permet-il pas enfin d'oublier que notre démocratie a été incapable de mobiliser ses forces vives puisqu'elle les avait laissées exclure de la nation? Il faut prendre le miroir et s'y regarder.